Le chemin de la liberté, c'est un long chemin. Il y a beaucoup à parcourir. Depuis l'indépendance, nous traversons beaucoup d'étapes. Et la libération, c'est l'engagement de tout un chacun. Et aujourd'hui, j'ai besoin de dire que non seulement nous traversons beaucoup d'étapes, mais pour construire une nation, j'ai besoin d'être père de la nation. Et comme nous venons, ça sur Sagar, là-bas, et montrer qu'après l'indépendance, l'unité, solidarité est importante. Et l'indépendance veut dire investissement dans l'éducation. Parce qu'il y a un plus grand paramount et qui donne égalité de chance qui l'éducation. Et ça, l'éducation gratuite qui passe au travail, c'est l'Amérique. Bien sûr, avec le soutien de tout un chacun et de nous pour parcourir un long chemin. Aujourd'hui, oui à la liberté. Mais nous parlons qu'il y a de l'esclavage, le journalisme moderne. Hein? Tout Mauricien peut vivre en ce moment, dans un moment très très difficile avec la pandémie, avec une situation prix augmentée. Donc nous pouvons sentir, nous pouvons retourner vers l'esclavage humain. Et nous nous libérons de l'esclavage. Maintenant, nous pays peut tourner vers l'esclavage humain et nous pouvons combattre ça. C'est pour ça que pour nous, sa commémoration aujourd'hui là, c'est un jour spécial pour nous inspirer nous du 1er février, pour nous libérer nos pays de toutes sortes d'esclavages qui sont capables de paraître devant nous.